Bon, c'est la merde aujourd'hui. Ça fait 4 fois qu'on refait le plan. Il y a des jours comme ça. J'ai la haine, j'ai envie de casser le téléphone. Mais on va se remettre dans l'action. Alors les gars, je ne vous ai pas montré tout ce que j'ai fait ce matin parce que les routines, c'est les mêmes tous les jours. Je me suis levé, j'ai bu comme hier la moitié d'une bouteille d'eau. Et le petit déjeuner, c'était la même chose qu'hier. D'accord? Aujourd'hui, je vais vous présenter la première séance à la maison sans matériel. Ok? Une séance que tout le monde sera capable de reproduire avec plus ou moins le même matériel, d'accord? Même si vous n'avez pas, par exemple, les bouteilles de gaz que je vais vous montrer, on peut les changer par d'autres trucs. Je vais vous présenter la liste du matériel et ensuite on attaquera le circuit training à la maison. Alors, on va retrouver ici 2 bouteilles de gaz, un pack d'eau, des sacs de course, une valise, un sac et une masse. Alors, ici, je vous ai présenté une liste globale, d'accord? Mais je ne vais pas utiliser tout le matériel aujourd'hui. Parce que, par exemple, les sacs, je vais les remplacer par les bouteilles de gaz. Donc, ça veut dire que ceux qui ne sont pas équipés de bouteilles de gaz, vous pourrez utiliser les sacs de course pour faire le mouvement que je vais montrer avec les bouteilles. Première étape, on va charger la valise avec les bouteilles d'eau et le sac à dos. Dans la première partie de notre circuit, je vais d'abord exécuter des mouvements pull. Ce mouvement correspond à un mouvement de rowing, ok? Par exemple avec des haltères en salle. Deuxième mouvement. Arrière d'épaule. Ensuite, là, je vais utiliser ma masse. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, ce que vous avez à disposition. Une barre en fer, un balai solide. Et là, on peut aligner du rowing halter. Ici, le dos bien cambré, en appui sur le genou et on tire le long du corps. J'ai fait 5 reps, vous alignez plutôt 10, 12, voire 15 reps. Alors, sur le prochain exercice, on va faire du curl. Donc là, ici, on plaque bien les bras le long du corps et on vient. Alors il va falloir utiliser vraiment les muscles stabilisateurs parce que ici la charge n'est pas la même des deux côtés. Donc on fait la moitié de la série d'un côté et la moitié de la série de l'autre côté pour compenser. On reste dans les biceps. Curl marteau unilatéral. Alors ici, plus vous allez rapprocher votre main de la masse, plus ça va être facile. Plus vous allez éloigner votre main, plus ça va être difficile. Donc là, bras le long du corps. Assez simple. Ok? Ici déjà, ça se corse. Ok? Et pour les plus puissants, tu peux aller ici. Même pour moi, c'est difficile.
Ok. On continue avec les biceps. Ici. Bras le long du corps. Et on curl. Et là, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait faire la même chose avec ça. Donc, imaginons que j'aurais pas eu le bouteille. Là, tu remplis tes sacs et tu exécutes exactement le même mouvement que je viens de faire. Bras le long du corps. Ici. On fait avec ce qu'on a, d'accord? Alors maintenant, on va passer à des mouvements push. Les gars, les mouvements push, il n'y a pas plus simple quand on n'a pas de matériel. Tout le monde sait le faire, tout le monde peut le faire. Donc ça, en variante. Plus sur le haut de pec. Donc ensuite, pour augmenter la difficulté pour les pompes, on peut se rajouter vos parents ou vos soeurs ou qui vous voulez, des poids sur le dos, n'importe quoi, hein. Le sac à dos avec les bouteilles d'eau par exemple. On enchaîne. Ici, on va mimer le mouvement de la poulie basse. Donc là, on resserre au centre. On vient bien contracter au centre et on remonte. Et la même chose, on peut utiliser les sacs à dos. On attrape les deux lanières du sac à dos et on vient serrer ici, c'est la même chose. Pardon, les sacs de course. Donc, on attrape les sacs de course, on les remplit évidemment ici. Et on monte devant. Ok? C'est la même chose qu'avec les bouteilles. Donc, mouvement triceps. Ici. J'ai dit ici, il a compris. Dit. Hop. À votre service. Ouais, gros. Là. Classico. Dips entre deux bancs. Il n'y a pas plus efficace. Pour augmenter la difficulté, pareil. Le sac à dos lesté et on le met sur les cuisses. Donc là, on remplit le sac à dos de bouteilles d'eau. Ok? Et là, on va venir faire une extension derrière la tête. Donc là, on étire bien le triceps. Et on monte. Toujours dans les triceps, vous allez trouver un endroit où vous pouvez vous appuyer et où vous pouvez passer la tête en dessous. Donc là, j'ai pas assez de recul, je sais pas si ma tête elle va passer. On plie. Et on remonte. Et pour finir avec les triceps, vous avez bien entendu le classique pompe serrée, pompe en diamant. Ok? On va passer maintenant aux épaules. Bras le long du corps. Élévation latérale. Et là, on peut enchaîner soit toute une série en élévation latérale, soit on enchaîne frontal, latéral, frontal, latéral. Ok?
La même chose, je vous montre. On a les sacs de course avec bouteille d'eau ou autre. Ici. Ici. C'est exactement la même chose. La valise, on peut faire un tas de mouvements avec. Si vous avez une poignée sur le côté, vous pouvez même faire le rowing que je vous ai montré tout à l'heure avec les bouteilles de gaz. Là, je vais vous montrer un rowing menton. Donc, on attrape la valise, ici, le dos bien droit, et on va monter les mains à hauteur du menton en ouvrant les coudes. Ici, ici. Ensuite, on peut enquiller des variantes. Hop. Hop, isométrique. Et on y retourne. Hop. Hop. Et crois-moi que tu ressentiras la brûlure. Dans le thème du Iron Plan de travail, on peut l'utiliser aussi en mode traction. Donc là, on vient se placer de la sorte. Et on fait traction allongée. Il me reste trois exercices à vous présenter hors abdos-gainage. D'accord? Les abdos et le gainage, j'estime que vous êtes assez grand pour connaître des abdos et du gainage. J'ai pas besoin de vous montrer ça. D'accord? Donc là, on enchaîne avec burpees. On enchaîne avec Mountain Climber. Dernier exercice du circuit, Jumping Jack. Voilà les gars, ça c'est un panel des exercices que vous pouvez faire à la maison. Alors vraiment, ne vous laissez pas abattre parce que avec un petit peu d'ingéniosité, on est capable vraiment de faire quelque chose de sympa. Donc ça, c'est pas de la musculation traditionnelle. Dans le sens où vous n'aurez jamais assez de matériel, à part pour ceux qui ont un home gym mais complet à la maison. Et chance à vous les gars. Mais sinon, vous n'aurez jamais assez de matériel, assez de poids, assez de machines pour faire une séance de musculation classique comme vous faites habituellement. Par exemple, pec, dos, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait plutôt un circuit training, d'accord? Dans ce circuit, je ne vous ai pas montré les cuisses. Mais les cuisses, on charge le sac à dos, on fait du squat, on prend une charge, on fait du sumo, ou on la prend en gobelette ici, on fait des fentes. D'accord? Ok Siri. Mais vu que je réserve tout ça, c'est-à-dire mon bas de corps, je le fais tout seul, à part, je ne voulais pas montrer dans ce circuit. Donc, imprimez ça. Il va falloir que vous revoyez vos entraînements. Vous ne pouvez pas vous entraîner de la même façon qu'en salle. Établissez des entraînements en circuit training. Ok? Stimulez l'ensemble de votre corps. On ne va pas faire du gain, mais en tout cas, avec ça et l'alimentation qui va avec, vous ne perdrez pas de muscles. Ok? Je vous retrouve plus tard. Ok les gars, je vais charger tout de suite ma barre parce que je viens de faire le circuit et ça m'a bien échauffé. Donc je ne vais pas passer par 1000 séries. Je charge ma barre et on attaque la séance. Donc sur ce mouvement, rowing buste penché en prise supination, je vais faire 4 séries. La première 15, 12 et les deux dernières, je vais rester sur 12 répétitions. Alors ici, je vais utiliser un élastique pour augmenter la
résistance, ok? Si vous avez ça à la maison, utilisez-le, c'est pas mal. Ok les gars, deuxième exercice, vous trouvez quelque part où vous accrochez, n'importe où, et vous enquillez les tractions. Juste penché, en contraction isométrique haute, 3 secondes, 4 séries de 15. Donc, récapitulatif, je viens de terminer la séance de dos. Rowing supination, rowing pronation, traction, rowing T-bar. Ok? Terminé. On passe à l'arrière d'épaule. Élastique. Et ici, face pull. Trouve la bonne distance. Enchaîne tout de suite. Trois tours comme ça. Ok les gars, donc je viens de terminer les épaules, enfin les arrières d'épaule. Et là, je vais partir sur les biceps. Alors, biceps, on a tout ce qu'il faut pour bosser vraiment, nickel. 21 movements,
7 en bas, 7 en haut, 7 complètes. Ok? Ok, premier exercice terminé, deuxième exercice, cœur avec haltère. Cinq dernières. Ok les gars, on arrive à la fin de cette séance. Dernier exercice. Unilatéral, marteau. Et en même temps, isométrique. Là j'ai pris deux kettles, tu peux prendre un haltère, c'est la même chose. Une forme stricte sur ce mouvement. Voilà les gars, fin d'entraînement. Je vous avoue que je cherche encore mes marques. Du coup, j'ai laissé un écart trop important entre le premier repas et le deuxième repas, mais je suis en train de retrouver mes réglages. La même chose qu'hier, comme au petit déjeuner. Ici, on retrouve 35 g de protéines, 70 g de glucides, et c'est le deuxième repas. La base. On ne change pas les habitudes, confinement ou pas. On prend de l'avance sur la nourriture. C'est déjà ça de gagner. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Allez, on y retourne. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Alors,
J'ai pas pu filmer ce que j'ai pris avant mon coaching FaceTime parce que j'avais du retard. Mais je me suis pris la même chose que je t'ai montré hier soir dans le blender. Whey protéine, avoine, carreau de chocolat et miel. Et donc là, je passe au quatrième repas. Comme je t'ai dit, j'ai pris un peu de retard. Du coup, ça m'a fait gagner un petit peu de temps ce shaker. Ici, on retrouve 130 g de riz, une petite tranche de pain, 140 g de poulet, un peu de salade avec 2 dés de fromage et un petit peu de noix. Ce qui nous fait un total de 40 g de glucides, quasiment 40 g de protéines et il doit y avoir à peu près 7 g de lipides. Je suis prêt à m'endormir, j'ai un coup de barre de fou. Mais le job avant toute chose. Dernier repas. Donc ici les gars, on retrouve riz, bœuf maigre et une part de pizza faite maison. Ça nous fait 70 g de glucides, 30 g de lipides et 43 g de protéines. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai un repas dans la journée où je m'accorde un petit plaisir. Je vais essayer de parler un peu plus fort parce que on s'est aperçu quand on a fait le montage qu'il faut monter à 400% pour m'entendre. Donc du coup, je disais, petit repas plaisir. J'aime bien me le placer le soir. Avant d'aller me coucher, j'ai besoin d'avoir une sensation de satiété. J'ai besoin d'avoir le ventre plein pour dormir bien comme il faut. Je sèche assez vite et comme je vous ai dit, c'est que le début. Là, j'ai repris l'entraînement et les réglages et la diminution des calories, ça vient petit à petit, doucement, doucement. Voilà les gars. Ben, j'ai rien d'autre à rajouter pour aujourd'hui. Le rythme des vidéos. Alors, on a décidé de sortir un épisode tous les deux jours pour nous permettre d'avoir un jour de battement et de faire le montage, etc., etc., tout ce qui va avec. Donc du coup, normalement, ça sera mercredi, cette vidéo. Non, ça sera jeudi, puisqu'on est déjà mercredi. Voilà, bon, j'arrête là parce que c'est la fin du game. En vous souhaitant bonne réception. Allez, on se voit dans le bulletin.